Et coucou, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai la gorge. Voilà quoi. Donc, on se retrouve pour un petit haul nose. J'étais à nose parce que j'avais une petite demi-heure à tuer. Donc, le temps qu'un autre magasin à côté ouvre pour envoyer un colis. Alors, du Noël, en veux-tu, en voilà. Il y avait plein de choses. Des décorations, je parle. Mais du coup, j'ai trouvé d'autres petits trucs. Je commençais par ceci. Alors, vous allez me dire, oui, il est petit, oui, mais j'ai pris aussi un grand. Parce que des fois, j'ai pas envie d'être ici. Et des fois, j'ai envie d'être dans ma salle à manger. En compagnie de tout le monde, quoi. Et pas à l'écart dans mon coin. Surtout quand c'est des petits projets, que c'est rapide à faire, je peux les faire là-bas. Donc des fois quand j'ai besoin de couper, voilà. C'est du violet, c'est du violet. Donc ici, je l'ai payé 1,99. Contrairement à mon verre d'action là, qui est là, que je vais changer d'ailleurs. Que je vais changer, parce qu'il commence à être un peu caca mort. Là, il est recto verso le petit. Ah oui, mais en même temps il est petit. Donc, celui-là. Et du coup, je vais l'écrire. Ben non, mais on est aussi avec ton verso. Ok. Et je l'ai pris en grand. Voilà. Et d'ailleurs, il est vachement plus épais que celui d'action, j'ai l'impression. À 3,99. Donc, voilà. Donc, on a tout là-haut. Là. Et on a aussi de l'autre côté. Bon, alors vous me direz, moi personnellement, je sais pas à quoi sert ce truc-là, c'est pas très grave. Voilà, surtout pour pouvoir couper. Donc, j'ai pris ça ensuite. Alors, ça, c'est pour mon fils, porteur d'handicap. Bon, il va sur 15 ans, il a un niveau maternel, petite section. Ok? Donc, faut quand même le faire un peu travailler. Donc, voilà quoi. Et en fait, c'est surtout pour faire travailler tout ce qui est. Bah, tout en fait. Faire des courbes. Vous voyez, c'est des trucs basiques, hein, mais. Repasser sur les dents, vous voyez là. Vraiment des trucs. Repasser sur la ligne des balles. C'est beaucoup du graphisme. Ce qui fait travailler sa motricité fine. Bon, là, c'est un coloriage en suivant les lettres. Enfin, voilà, des trucs. Là, faut retrouver les différences. Donc, voilà. Ça, c'était. C'était des côtés. Et du coup, des côtés. Normalement, c'est 4,99. Et c'est des côtés. Des côtés, je sais pas. Ah, 40%. Alors, moins les pourcentages. Oui, voilà. J'ai trouvé des perles. Alors les perles, ce n'est pas pour moi. Enfin, si, il y en a, c'est pour ma fille. Mais ceci pour ma petite maman qui m'a demandé de prendre les perles. Donc il y a plusieurs kits. Alors, elle voulait surtout avec les alphabets. Ok. Donc je demanderai laquelle elle veut parce qu'il y a deux sortes d'alphabets. Alors, nous avons celle-ci. Est-ce qu'on va mieux derrière? Ouais, on voit mieux. Donc là, on a tout plein d'alphabets. Là, on a des grosses perles comme ça. Et là, on a des petites perles de rocaille. Donc voilà, et c'était 2,99. Toutes les boîtes sont à 2,99. De ce côté-là, celle-ci. Alors, on a des fleurs, on a des... Je sais pas quoi là. Enfin, bref, on a plusieurs... Là, on a des grosses Larkestar. Un peu de des petites pelles de rocaille encore. Là, nous avons des plates. Au moins des plates, j'en ai plein. Donc voilà, maintenant il y a des plates. Et nous avons celle-ci. Voilà, encore des pelles de rocaille. Donc je pense que celle-ci, je vais garder pour ma fille. Parce que ma fille fait aussi des bracelets. Voilà. Ensuite.
Zazu, ça chante sur sa boîte. Je sais pas ce qu'il fait. Le sac. Alors, je prends dans l'ordre que ça vient. Hein. Je vais pas chercher. Alors, ouais, un sachet comme ça que j'ai trouvé. Mais c'est parce qu'elles sont noires. Et en fait, c'est des étoiles et des cœurs et des lunes. Donc, à 79 centimes. Ensuite, j'ai trouvé des rubans. Mais en fait, ils sont en satin. Ils sont vachement doux. Donc, et là, c'est pareil, c'était décoté. Ils sont à 3 euros. Ils sont à décoté 55%. Donc, voilà. Et je crois que j'en ai d'autres ailleurs, d'ailleurs. J'essaie de tout sortir, plus ou moins. Mais ça, voilà. Pourquoi j'en ai pris deux marrons? Ah, bah, parce qu'il s'était accroché dans celui-là. Ah, bah, c'était pas voulu. Bon, bah, c'est pas grave. Et j'ai pris cette couleur-là. Mais en fait, ouais, j'ai pas fait gaffe, c'était accroché. Bon. Ça sera pas perdu. On est bon. Ça, c'est pour mon Noël, Noël, à moi. Cette année, on m'a donné les assiettes. J'ai pris des serviettes. Il en reste, tant mieux. Là, c'est pareil. Il y avait moins 110%, du coup, c'était à 2 euros, je crois. Avec des petits rennes. Là, on a plein de. Maman. Et là, on a des petits Papa Noël. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé des stickers. De. Je sais pas quelle collection. Papercraft collection. Bon, en tout cas, ils font très limited, mais j'aime bien. Donc, nous avons ceci avec des bougies. J'espère que ça vient avec le soleil, parce qu'il fait tellement. Ça fait toujours qu'on a de la pluie. Là, le soleil, j'en profite. Donc, ils sont en craft en fait. Bon, j'ai fait tomber. Hein. Et bien, oui, c'est mes préférés en plus. Là, on nous a des traîneaux et des cadeaux. Et tout est à 79 centimes. Là, nous avons des chaussettes de Noël. Et dernier, là, des petits bonhommes de pain d'épices. Et il me semblait qu'il y en avait un autre, mais je suis pas sûre. Je crois. Ensuite, j'ai trouvé des rubans. Je crois que c'est les seuls que j'avais pris. Donc, deux rubans comme ça, de la marque. Je sais pas. Ouais, c'était décoté. Normalement, ils sont à 2 euros. Ils sont décotés à 55%. Donc, nous avons cela. Donc, là, on a le petit zigoui-goui en espèce de ficelle. Ficelle et le ruban. Nous avons le même en argenté et le même en rouge. Est-ce que je me suis aperçu qu'en fait du ruban rouge pour Noël, bah j'ai rien, j'ai pas grand chose. Ensuite, alors attendez, parce que oui, non, ça c'est pour moi, c'est pour mes paquets cadeaux. Ouais, paquets cadeaux, les étiquettes. Parce que dedans il y a des choses. C'est des petits cadeaux que j'ai trouvé pour mes enfants, donc je vais peut-être pas les sortir. Au cas où. Au cas où ça viendrait zioter sur ma chaîne. C'est jamais. Et là j'ai encore trouvé des petites étiquettes comme ça, plus enfants. Non mais celle-là je crois que je vais la garder en fait. Je vais la décuter, je vais la garder. Donc là c'est pareil, 69 centimes et il y en a 18. Et là il y en a 12 pour 59 centimes. Ensuite, alors ça c'est parce que j'ai plein de trucs sur les petites gourmandises, les cupcakes, les machins. Et j'ai trouvé une déco comme ça. Il y a pas mal de petites décos. Et celle-là en fait, là, je me dis, elle peut très bien ne pas forcément faire Noël. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est dans les couleurs mint, rose, blanc. Un petit déco. Oui, il n'y a pas forcément un truc de Noël dessus. Donc.
Avec tout ce que j'ai déjà voyez, j'ai des petites choses comme ça. J'ai des petites choses comme ça. Moi, j'ai plein de petites gourmandises comme ça. Dois en avoir. Vous voyez, des petites choses même comme ça. Enfin, j'ai plein de choses sur les gourmandises, donc j'accumule. Jusqu'au jour où je pourrais faire un gros truc. Et il dit à 1 €. Oh, j'ai trouvé des tampons. Alors, maintenant, je suis très sélectif sur les tampons, étant donné que le tamponnage, c'est franchement. Au fil des ans, hein, bon, ça fait que 3 ans que je scrape, mais je me rends compte que faire du tamponnage, c'est pas mon truc du tout. Surtout après, il faut coloriser et. Voilà. Donc ça, je l'ai pris parce que il est vraiment très beau et que surtout c'est un gros motif. Donc pour coloriser, il y a plus d'espace. Vous voyez, c'est et surtout qu'après je pourrais facilement décoter. Donc j'ai pris celui-ci. Il était 1,20 €. D'ailleurs, c'est pratiquement tout ça 1,20 €. Il n'y a pas de marque. Où c'est le clear stamp? Parce qu'il y a alphabet et chiffres. Alors il y avait une autre sorte d'alphabet et de chiffres, mais plus. Là c'est basique. Je me dis que des fois, quand j'ai la flemme de découper avec mes dies les chiffres, j'arrive, je tamponne, voilà. Je me fais par exemple un petit rond, je tamponne le chiffre. Voilà. Pour les lettres, pareil. Si par exemple j'ai les alphabets, mais s'il va manquer un A, bah au pire tant pis, je tamponne et. Voilà, pareil, c'était 1,20 € aussi. Et j'ai trouvé. C'est un peu plus bas. Des petites choses pour mon fils, pour l'occuper, du coup. Des journées où il n'a pas d'auxiliaire ou d'éducatrice. Je trouve ça sympa. Ceci. Donc, c'est on fabrique. Je pense que ça va être en mousse. Alors, attends, est-ce que mon fils fait des bêtises? Ah, bon. Même porteur de handicap, hein, un ado de 15 ans, c'est un ado de 15 ans, son estomac, ça parle avant tout. Il est de 11 h 30, il a faim. J'ai pris des croque-monsieur à faire cuire la poêle. Hein. Et bien, il y en a un en train de me faire chauffer au micro-ondes. Bon, je vais me dépêcher de la vidéo parce que là, il a trop faim. Du coup, je disais, j'ai pris ceci. Pareil, c'était à 4 € et c'est décoté moins 50%. Et du coup. Oui, c'est ça, c'est de la mousse. Voilà, c'est de la mousse. Et en fait, on vient tout coller. Il y a plein de bêtises d'ailleurs. Voyez? Et du coup, c'est plein de. On a plein de petites formes. On a les petits papiers pour faire passer juste. Enfin, non, c'est des rubans. On a les petits rubans pour faire passer justement là. Et normalement. Normalement, on est censé avoir. Parce que c'est censé être des manillés. Bah écoutez, je ne sais pas où trop sans leur manette. Parce que bon, non, ils sont tout collants. Ah, mais ils sont là. Ok, c'est des petits bouts comme ça de manette qu'après on vient coller et qu'après l'enfant peut disposer sur la frigidaire. Donc voilà, c'est pour l'occuper. On fera ce qu'il veut après, il ira les offrir. Tout à l'heure, on va faire ça ensemble. Il y a les petits yeux aussi fournis. Parce que bon, au bout d'un moment, il faut bien l'occuper aussi. Hein. Même si à cet âge-là, il préférait être sur sa console et que là, j'ai dit non, non, console, on lâche jusqu'à demain. Et pareil pour le même âge aussi, 5 ans. Des stickers. Qui était à 1,99 €. Donc, c'est des stickers sur le Diamond Painting. Sur le thème de Noël. Hein.
comme d'habitude, on a tout ce qu'il faut. Hein. Bon, alors lui, ça va, les petits comme ça, il a à faire. Et surtout, c'est vraiment rapide à faire. Donc, c'est très bien. Donc, je n'appellerai pas le bateau avec Saint-Nicolas, mais bon. Ni la carotte. Ben, je ne comprends pas. On m'explique. Bon. C'est sur Saint-Nicolas. Il y a des bateaux, il y a des carottes. Bon, ok. Ça fait voilà une petite occupation. Et pour finir, la dernière fois j'ai trouvé le rouge et là j'ai trouvé celui-ci. Il y a ces trois blocs comme ça. Est-ce que ça va être comme l'autre? Est-ce qu'il va me manquer ces pages-là? Telle est la question. Bon, même si avec l'autre j'avais réussi à découper des petites choses. Ah, il n'y a pas d'ouverture. Bon, j'ouvre là. Ok. Bon, hop, que je coupe ici. Alors, et c'était à 3,99€. Et... Je vais vous dire tout de suite si c'est comme l'autre. Ah non. Là, il y a certaines choses. J'ai vu les étiquettes. Pas sûr qu'il y ait die-cut, mais ça peut. Donc, on a celle-ci. Et très franchement, je préfère ces papiers-là. Là, des petits blanches. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, le rouge et blanc, ça me... Rouge, blanc, vert, c'est tellement commun qu'en fait, et là, le papier, pour le coup, j'aime bien ça, pareil. Alors ça, je m'en passe quelques années, j'aime beaucoup, tout ce qui est petits pois comme ça aussi. Quand c'est trop chargé comme ça, j'ai plus de mal à scraper, mais quand c'est plus neutre, ça va. Là, on a des petites boules. Les rayures aussi. Sympa. Donc là, celle-là, on ne sait pas trop la couleur. Parce que, enfin, pourquoi elle est avec les autres. Mais voilà. Là, on a des rayures. Là, on a des petits patins. Là, on a des, je crois, des arabesques. Hein, des flocons, encore des petits flocons. Là, on a des petites tasses. Je vais éternuer. Oh, désolé. Donc, les petites tasses. Ça, c'est pareil. C'est le genre de motif. Je me rends compte que j'aime bien. Là, on a. Bah, du coup, c'est un seul qui aura. Donc, là, on a les gants. Et là, on a des étiquettes. Donc, effectivement, je pense que c'est des défauts de fabrication qu'il y a eu. Parce que ben, y a pas tout, en fait. Il n'y a pas les... Il n'y a pas ces étiquettes-là. Et les die-cuts qui sont là. Il n'y a pas. Il y a bien, bien de papier, mais pas... J'ai l'impression que c'est pas forcément tout ce qu'il y a là. C'est pas grave. Hein. On combinera avec d'autres petites choses. Hop. Et voilà pour ce petit haul. Et moi sur ce, eh ben, je vais faire à manger à mon fils parce que là il a faim et moi aussi. Allez, bye!